Merci beaucoup. Bonjour à tous. Il était temps que celui-là disparaisse. Eh bien, c'est une véritable joie pour moi, mais également pour tous ceux qui sont avec moi ce matin, de partager ces instants bénis et merveilleux dans la présence de Dieu. Ça me faisait beaucoup de temps que je demandais au Seigneur de m'accorder ce privilège de passer par la parole du salut pour vous saluer et en même temps passer du temps ensemble, nous réjouir dans la présence du Seigneur. Il a fallu attendre à peu près 3 ou 4 ans parce que la dernière fois que je suis passé ici à Paris, bien, c'est votre pasteur qui a dû se déplacer pour venir me voir. J'étais invité par Paris Métropole, donc à la Bastille, et puis au Théâtre des Jazés. Et donc on a pu se voir, mais je n'ai pas pu dégager ne serait-ce quelques heures pour venir me réjouir ensemble avec vous. Et puis je suis reparti, et puis voilà que le Seigneur permet que ce soit aujourd'hui. Eh bien, il est celui qui reste et demeure le maître des temps et des circonstances. Tout ce qu'il fait, il le fait toujours à la perfection et en son temps. Amen. Que Dieu soit béni. Donc très heureux. Je voudrais vous transmettre les salutations de mon épouse, maman Gisèle, qui était déjà ici. C'était à la fin de l'année dernière. Voilà, elle n'a pas pu être avec moi, donc je suis venu seul. Et vous transmettre également les salutations de vos frères et sœurs de l'église La Borne à Kinshasa, à Upen, pour ceux qui connaissent Kinshasa. Et j'ai béni donc Dieu pour tout cela. Vous l'avez remarqué, je ne suis pas seul ce matin. Il y a toute une équipe qui a tenu à venir non seulement m'accompagner, mais surtout se réjouir ensemble avec vous. Donc il y a mes 2 grands garçons, Steven Bondo, son épouse Charlotte, Marco pour les intimes. Et il y a Maître Mbaïki, un de mes collaborateurs. Il y a le frère Mignan qui est là. Et je me réjouis de voir un de nos pasteurs, Champlain. Donc, il dirige la borne Binza Delvaux. Que Dieu soit béni, alléluia. Et s'il y a des gens qui sont venus pour nous accompagner dans ce moment, ben, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, sachez que je suis très, très content. Je suis toujours honoré de passer par la parole du salut, honoré de pouvoir me tenir devant toi afin de vous servir. De vous servir avec la parole du Seigneur. Dieu nous a appelés non pas à être les maîtres de la parole, mais plutôt à être serviteurs de la parole. Et la parole ne peut accomplir son objectif, atteindre son objectif, que dans la mesure où celui qui la proclame le fait dans un esprit de serviteur. Nous ne sommes pas là pour paraître ou nous parader sur l'estrade, mais nous sommes là pour vous amener au pied de la croix, car c'est là et là seul vous pourriez être bénis. Amen. Et gloire à Dieu. Dieu est bon. Votre pasteur est parti à Kolwezi. J'aimerais vous informer que Kolwezi est ma ville de naissance, ma ville natale. Je suis né à Kolwezi à l'époque du Congo belge, si vous voulez connaître mon âge. Le Congo était encore sous la tutelle de la Belgique, sous la souveraineté du roi des Belges, lorsque finalement donc j'ai vu le jour. Que Dieu soit béni. Amen. Sans plus tarder, je vous prie donc d'incliner vos têtes dans la prière et nous allons nous préparer à recevoir la parole de Dieu. Je suis convaincu que ce matin, le Seigneur a quelque chose à nous partager, le Seigneur a quelque chose à déposer sur nos cœurs. Dans son amour, dans sa grâce pour chacun de nous, il a permis que nous soyons là, non seulement pour nous réjouir en sa présence, non seulement pour le louer, pour l'adorer à l'occasion de cette célébration merveilleuse, extraordinaire, il a permis aussi que nous puissions être là afin de recevoir de lui sa parole. Sa parole reste la nourriture indispensable dont tout notre être a besoin. L'homme ne vivra pas de pain seulement, nous dit-il dans sa parole, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Et nous aimerions que sa bouche nous parle et que l'homme qui se tient devant vous ne soit qu'un simple outil entre ses mains pour votre édification. C'est devant toi le Seigneur de gloire, c'est devant toi l'auteur de la création, mais également l'auteur de notre salut, c'est devant toi qui es assis sur le trône et qui étend ton règne, non seulement dans le ciel et les cieux des cieux, mais également dans tout l'univers. Oui, c'est devant toi qui es revêtu d'une lumière inaccessible, devant toi dont la parole est créatrice, devant toi qui donne un sens à notre existence. Oui, c'est devant toi que nous nous inclinons très respectueusement, avec humilité, Seigneur, pour, ô Dieu, implorer ta grâce, afin que ta parole puisse trouver un écho positif dans nos cœurs, afin que nos cœurs, tout notre être, soient disposés à accorder, à réserver un accueil chaleureux à ta parole. Parle-nous, fais-nous du bien par ta parole, qu'elle puisse nourrir véritablement notre âme. Sois avec ton serviteur, pose ta main sur lui, qu'il ne soit qu'un simple outil entre tes mains pour l'édification, Seigneur, de ton peuple. Ces âmes devant moi ont du prix à tes yeux. Ces âmes devant moi sont des créatures que tu as faites à ton image, à ta ressemblance, pour leur salut, pour leur bonheur éternel, pour que ces âmes puissent expérimenter ta vie, la vie nouvelle en toi, la vie éternelle. Tu es venu, tu as quitté ton trône de gloire pour venir dans un corps semblable au nôtre et donner ta propre vie à Golgotha. Seigneur, aide-nous à proclamer ta parole, à rester fixés, focalisés sur toi, à avoir nos regards rivés sur toi, toi l'initiateur de la foi et en même temps son accomplisseur, toi qui l'amène à la perfection. Parle-nous, fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ, amen. Et gloire à Dieu, alléluia. Si j'ai une très bonne mémoire, il m'est déjà arrivé lors de mes passages ici à la parole du salut, de vous dire, de vous poser une question, j'aimerais vous la reposer encore ce matin. Qui croit que Dieu peut parler lorsque son serviteur n'a pas de veste? N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Donc ça veut dire que si vous me voyez enlever la veste, parce que je sens la chaleur de l'esprit au milieu de nous, eh bien ne vous offusquez pas. Sachez que Dieu continuera à parler. Alléluia. Oui, Dieu est bon. Je voudrais donc parler ce matin de la foi comme étant le carburant de la vie chrétienne. Le carburant dont nous avons besoin pour poursuivre notre marche du temps vers l'éternité. Carburant dont nous avons besoin pour avoir de l'énergie afin de résister aux différents assauts de la part de l'adversaire de nos âmes. Carburant dont nous avons besoin pour nous maintenir dans un état de sainteté, pour affronter toutes sortes d'obstacles qui se dresseront devant nous. Oui, la foi comme carburant qui nous permette de fonctionner pour la gloire du Seigneur. Sans ce carburant, eh bien, votre religion serait une religion morte. Et je vous dirais que l'objectif premier de tout ministère pastoral, de tout ministère d'évangéliste, de tout ministère de docteur, de prophète, que sais-je, ou d'apôtre, eh bien le principal objectif, la raison première d'être de tout ministère, c'est de nourrir la foi du peuple de Dieu. Ceci devrait nous préoccuper plus que toute autre chose. Car aujourd'hui, nous avons affaire à des pasteurs qui sont plus préoccupés par la taille de leur auditoire. Des pasteurs qui cherchent plus à avoir... eh bien, de plus en plus de gens, eh bien, et pour les attirer, ces pasteurs sont prêts à recourir à toutes sortes de méthodes, des techniques, de communication et tout ça, et ils arrivent à remplir leur salle. Mais laissez-moi vous dire une chose, la foule n'est jamais le signe d'une vraie spiritualité. Vous pouvez manipuler les gens, vous pouvez remplir une salle comme celle-ci, ou même 10 fois plus grande que celle-ci, et ne pas avoir devant vous de gens qui marchent véritablement avec le Seigneur. Donc la préoccupation première de tout pasteur, c'est de contribuer à nourrir la foi des brebis du Christ. Car sans la foi, aucune vie n'est possible avec Dieu. Sans la foi, eh bien, nous serions là à tourner en rond. Et pire, à regresser jusqu'à ce que nous soyons happés par le diable. Oui, la foi, carburant de la vie chrétienne. Nous allons lire un récit qui nous montre que, peu importe ce qu'il y a devant nous, la foi reste l'élément crucial, l'élément essentiel pour pouvoir faire face à tout. Que ça soit sur le plan vertical, dans notre relation avec Dieu, que ça soit dans l'horizontalité, dans nos rapports mutuels, face au diable, face à toutes sortes d'épreuves, eh bien la foi reste indispensable. Nous sommes donc dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, Marc 4, à partir du verset 35 jusqu'au verset 41, c'est un passage, une histoire que nous connaissons bien. Il nous est dit ceci, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, il dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva une forte bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, donc Jésus, il dormait à la poupe, c'est-à-dire à l'arrière de la barque, sur le coussin. Ils le réveillèrent en lui dire, « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons. » Il se réveilla et menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi » ou littéralement, « Sois muselé » ou « Sois réduit au silence ». Résultat, le vent cessa et un grand calme se fit. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci » Car même le vent et la mer lui obéissent. Et gloire au Seigneur, qui est donc celui-ci. Amen. Puisque vous êtes sûr, vous êtes absolument convaincu que Dieu peut vous parler, alors même que je serai sans ma veste, je me permets devant vous de l'enlever. S'il vous plaît. Comme ça, je suis beaucoup plus à l'aise. Gloire à Dieu. La foi, carburant de la vie chrétienne. Vous le savez tous, en arrivant, j'ai vu qu'il y a tout autour de l'église toutes sortes de voitures. Et donc, vous savez que chaque type de moteur à combustion requiert un type de carburant particulier. Pour les moteurs à essence, il faut absolument de l'essence, oui ou non? Si jamais il m'est déjà arrivé avec un de mes anciens, nous revenions, je ne sais pas, d'une réunion de prière. C'était un soir et nous avions été tellement bénis que mon ancien, en allant mettre le carburant, il a oublié, il a mis du mazout à la place de l'essence. On a été bloqué. Il a fallu attendre qu'un dépanneur arrive. Donc, si vous voulez que votre véhicule qui roule à l'essence puisse véritablement rouler, pour que le moteur puisse vraiment fonctionner, il lui faut les types de carburant appropriés. Pour le moteur à mazout, c'est la même chose, voyez-vous. Donc, il faut le fuel pour que le moteur tourne. Pour le fusée, il y a aussi un autre type de carburant. Donc, pour chaque type de moteur, il faut un type particulier de carburant. Et je vous dirais qu'il en est de même pour la vie chrétienne. Nous avons besoin de fonctionner pour la gloire de Dieu. Nous avons besoin de marcher, mes amis. Nous avons besoin de demeurer fonctionnels, dynamiques, actifs. Et pour cela, nous avons besoin du carburant divin. Et ce carburant-là, mes amis, n'est autre que la foi. Gloire à Dieu, alléluia. Oui, j'aimerais ce matin attirer votre attention sur l'élément le plus crucial, voyez-vous, de notre marche spirituelle, à savoir la foi. Eh oui, la foi, encore la foi et toujours la foi. Mes amis, vous pouvez tout avoir dans la vie, vous pouvez avoir une religion, une croyance, vous pouvez avoir une philosophie de vie, vous pouvez tout posséder sur le plan matériel, mais si la foi vous manque, eh bien l'essentiel fait défaut. Quand Dieu regarde à l'humanité, il ne voit que deux types de personnes. Il ne voit pas les noirs et les blancs, les gens avec des cheveux et d'autres chauves. Il ne voit pas les Japonais, les Chinois. Quand Dieu nous regarde, il voit ceux qui sont animés par une foi ferme. Mais il y en a d'autres et d'autres qui sont gangrénés par l'incrédulité. Ce qui fait la différence, voyez-vous, ce qui fait que certains réussissent dans la vie, ne subissent pas la vie, mais plutôt dominent la vie, c'est la foi. Oh, alléluia. Donc c'est la foi qui fait toute la différence. Et la parole de Dieu, elle est formelle lorsqu'elle parle de la foi. Elle nous dit que sans la foi, il est impossible, absolument impossible, de plaire à Dieu, d'être agréable au Seigneur. Voilà la première chose que j'aimerais que nous sachions. Nous ne pouvons pas plaire au Seigneur si nous ne menons pas une vie de foi et une vie par la foi. Là, nous sommes dans notre relation verticale avec Dieu. Il nous a sauvés pour lui, n'est-ce pas? Et pour que nous demeurions avec lui, eh bien, il n'y a pas deux solutions. Il n'y en a qu'une. C'est la foi. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Non seulement pour être agréable à Dieu, pour lui plaire, nous avons besoin de cette foi dont il est question à travers toute l'Écriture sainte, mais pour nous approcher de Dieu, nous avons aussi besoin de foi. La Bible nous dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est. Vous pouvez venir dans une assemblée aussi vivante que celle-ci. Vous pouvez venir chanter, bouger, tout ce que vous voulez. Mais si vous n'êtes pas animé par la foi, tout cela ne servira à rien. Ça pourra vous procurer un certain plaisir, ça pourra susciter en vous une certaine émotion, toutes sortes de sensations religieuses, sans plus. C'est donc la foi qui va vous permettre de vous approcher véritablement de Dieu. Et je suis convaincu que chacun de vous est venu ici à l'église, à la parole du salut, dans le but d'approcher Dieu. Car tout don excellent, tout cadeau parfait dont nous avons besoin, tout ce don, mes amis, dont nous avons besoin pour une vie plus épanouie, une vie de victoire, une vie de triomphe, une vie glorieuse, tout cela ne peut nous venir que de notre Dieu. Et comment interagir avec lui? Comment, mes amis, entrer en communion avec lui? Eh bien, la réponse de la Bible est claire. C'est la foi. Le Seigneur nous adresse cette invitation que nous trouvons dans le livre de Jacques, invitation qui consiste à nous approcher de lui. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Comment nous approcher de Dieu si nous n'avons pas la foi? Oui, nous pouvons chanter. N'importe qui peut chanter d'un chant gospel. N'importe qui peut bouger, peut se trémousser. N'importe qui peut dire Alléluia. N'importe qui, mes amis. Voyez-vous, c'est là que nous devons faire très attention. Quand nous venons, eh bien que ce soit pour nourrir notre foi. Car c'est la foi qui va faire toute la différence. Non seulement c'est elle qui nous rend agréable à Dieu. Non seulement c'est elle qui nous permet de nous approcher de Dieu, mais la foi nous permet également, mes amis, de résister au diable. La tentation est là, tout autour de nous. Le diable rôde comme l'apôtre Pierre nous le dit. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, cherchant qui détruire. Combien de chrétiens ont vu leur vie être détruite? Combien sont tombés dans toutes sortes de choses à peine nommables? Ce n'est que plus tard qu'ils s'en sont rendus compte et ils se sont mis à pleurer. Le diable ne prend jamais des vacances. Pour lui, été, hiver, automne, eh bien, il reste actif. Car il n'a d'autre objectif que de détruire la race humaine, d'empêcher l'homme d'hériter de la vie éternelle, de partager un jour l'éternité avec son Créateur. Et puisque le diable rôde, puisque le diable est là pour nous tenter, pour nous mettre les bâtons dans les roues, la Bible nous dit « résistez-lui avec une foi ferme ». C'est donc la foi qui va nous permettre, mes amis, de résister. En d'autres mots, la force dont nous avons besoin pour résister au diable, pour faire face à toutes sortes de tentations, dépend de la qualité et de la nature de notre foi. Voyez-vous? Vous pouvez dire au nom de Jésus, Satan, arrière de moi, sans que rien ne se passe. Car tout cela peut être fait simplement avec la langue. Mais lorsque derrière une telle parole, il y a la foi véritable, la foi biblique, quelque chose se passe. Gloire à Dieu. Oui, pour résister au diable, pour résister à la tentation, nous avons besoin d'être fermes dans la foi, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Mais aussi, et c'est là que j'aimerais attirer l'attention de chacun de nous, nous avons besoin de cette même foi pour faire face à toutes sortes d'obstacles, à toutes sortes d'épreuves, car épreuves, il y en aura. Le Seigneur ne nous a jamais promis une vie à l'eau de rose. Le Seigneur ne nous a jamais promis une vie céleste sur terre, pas du tout. Oui, un jour nous serons dans son ciel de gloire. Oui, un jour nous expérimenterons la félicité éternelle. Mais en attendant, nous sommes encore sur cette terre. En attendant, nous sommes encore dans ce monde manipulé, sous l'influence, sous l'emprise des puissances démoniaques. Et à cause de la présence de l'ennemi, de la présence du péché dans notre monde, le chrétien qui vit véritablement pour son maître, eh bien connaîtra tôt ou tard toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de problèmes. Il verra se dresser devant lui toutes sortes d'obstacles pour l'empêcher, mes amis, d'avancer dans la vie. Alors, qu'est-ce qui va faire que ce chrétien-là puisse non seulement faire face aux épreuves, mais arriver à surmonter les épreuves, à les écraser? Eh bien, c'est la foi. Oh, alléluia, c'est la foi. Et le texte que nous venons de lire est vraiment l'illustration très claire de tout ce que je viens de dire. Car... et là, j'aimerais que nous allions rejoindre le Seigneur dans cette barque avec ses disciples. Ses disciples vont être confrontés à un problème énorme. Voyez-vous, ils se sont retrouvés dans cette barque, non pas parce qu'ils l'avaient souhaité. Ils se sont retrouvés dans cette barque, non pas parce qu'un de leurs avait dit « Mais tiens, ça serait quand même gentil, ça serait chouette, ça serait une bonne chose si nous pouvions quitter cette rive ou ce rivage pour aller de l'autre côté. » Non, c'est le Seigneur lui-même qui leur a demandé de prendre place à bord de cette barque. Et en leur demandant de prendre place à bord de cette barque, lui-même y a pris place. Oh, alléluia. Et c'est encore lui qui a donné, qui a fixé le cap. Il a dit, quittons ce rivage, quittons cette rive et allons de l'autre côté. C'est lui qui est à la manœuvre. Il leur donne sa parole. Et je voudrais que vous reteniez cela à ce stade de notre prédication. C'est lui qui donne les instructions. C'est lui qui donne la parole, qui donne la direction. Voyez-vous? Et les voilà qui se mettent à naviguer. Au début, tout se passe très bien, n'est-ce pas? Comme du reste toujours. Hein? Tout commence toujours par baigner dans l'huile. Vous voyez, c'est comme les mariages. Hein? Il y a toujours la lune de miel. tout est beau, c'est la plus belle femme qui soit au monde. C'est le plus beau garçon qui soit, le plus bel homme. Oh, regardez comment il marche avec prestance. Formidable. Oh, Seigneur, merci de m'avoir donné cet homme qui est plus qu'un ange. C'est l'homme le plus attentionné, le plus prévenant, le plus intelligent, très éloquent. Voyez? Et on est admirative de cet homme-là. Oui, tout commence par la lune de miel. Oui, mais tout ne reste pas toujours sur la lune. Hein? Eh bien, un jour, on se retrouve sur Mars. Vous voyez? Donc, tout commence très bien pour ses disciples à bord de cette barque. Le Seigneur est là, il y a la joie, il y a l'enthousiasme. Ils l'ont vu à plus d'une fois accomplir des choses extraordinaires. Guérir les malades, faire marcher les paralytiques et les boiteux. Ils l'ont vu à plus d'une fois, mes amis, manifester son règne, qui reste la solution idoine, la solution parfaite à tous les problèmes des hommes. Et quand on a quelqu'un comme celui-là, on a toutes les raisons et du ciel et de la terre d'être vraiment en paix. Nous commençons toujours comme ça, hein, la vie chrétienne, oui ou non? Formidable. Et aussitôt qu'on a prié, Dieu répond. Hein? Voilà. Dès qu'il y a un petit obstacle, Seigneur, aide-moi, hop, on se retrouve déjà de l'autre côté. Oh, c'est formidable. Voyez-vous? Mais tout ne se passera pas comme ça jusqu'à la fin de nos vies. Ça, c'est l'enfance spirituelle. Et c'est comme un enfant. Les parents sont tout le temps derrière. Voilà, les voilà qui apprennent un peu à marcher. Il veut aller là-bas, la maman vient. Non, non, ne va pas là-bas et tout ça. Et s'il insiste, hop, il lui met la main, etc. Et bien, eux aussi, ils ont commencé cette navigation de manière formidable, de manière extraordinaire. Vous voyez? Oui, il y a un commencement à tout. Et au fur et à mesure qu'ils avançaient dans cette mer de Galilée ou des Tibériades, eh bien, ils se sont rendus compte que le ciel s'obscurcissait et qu'un petit vent se mettait à souffler. Au départ, c'était un petit vent. En face de ce vent, ben, on met la main dans la poche en disant « Mais Jésus est avec nous ». Si Christ est pour moi, qui sera contre moi? Voilà, la main dans la poche, on sifflote, on chante en langue. On avance, on est sûr, on encourage les gens. Frère, courage, il faut prier. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous remporterons toute bataille. Voyez-vous, et souvent ceux qui nous entendent sont presque quasiment admiratifs. Oh là là, j'aimerais avoir sa foi. Mais nous sommes encore au début. Hein? Le feu est là. Mais pour combien de temps? Voyez-vous, la foi. Vous savez, ça reste un élément essentiel. Il n'y a rien qui émerveille autant le Seigneur que la foi. À travers tous les évangiles, nous ne voyons nulle part le Seigneur être admiratif vis-à-vis d'un homme à cause de ses compétences ou de son cerveau à plusieurs étages. Nous ne voyons nulle part. Le Seigneur regardait un homme et dit, oh là là, par exemple quand il a appelé Lévi, Matthieu, qui écrira plus tard le premier évangile, le Seigneur ne s'est pas dit, oh là là, j'ai vraiment choisi un génie de la finance, car il était assis derrière le comptoir, lui le prescripteur d'impôts, hein, percepteur d'impôts, et le Seigneur l'appelait. Rien en nous qui puisse amener le Seigneur à nous admirer. Aucune compétence, aucune intelligence. La sagesse lui appartient, l'intelligence lui appartient, la force, tout lui appartient. Mais cependant, il y a quelque chose qui amène le Seigneur à s'émerveiller, qui amène le Seigneur quelque part être admiratif en nous regardant. Cet élément-là, c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi, mes amis. Et lorsqu'il n'y a pas la foi, il y a l'incrédulité. Et je vous dirais que le plus grand combat de tout enfant de Dieu, le plus grand combat de l'Église du Christ, c'est vis-à-vis de ce monstre abominable, de ce dragon auquel nous devons tordre le cou, qu'est l'incrédulité. Car là où il y a l'incrédulité, là, mes amis, la puissance de Dieu ne peut pas agir. Jésus a guéri. Il n'a jamais rencontré des cas insolubles. Il n'a jamais été dépassé par une situation quelle qu'elle soit. Aucune adversité. Mais cependant, nous trouvons une histoire terrible dans les évangiles. Lorsqu'il arrive à Nazareth, dans sa ville, il a affaire à des gens remplis de toutes sortes de préjugés à son égard, d'a priori négatifs. Mais c'est le petit. Comment? Ah oui, mais moi je connais bien sa maman. Sa maman, c'est Marie, on a été à l'école ensemble. Son père, oh, mais c'est le charpentier. L'armoire ici. Mais c'est lui. Ouais. Tout ce que vous voyez, mais c'est Joseph. Et lui, maintenant, il prétend être fils de Dieu. C'est quoi ça, ces histoires? Les préjugés. Voyez-vous? Les a priori négatifs. Eh bien, on suscitait dans le cœur de Jean de Nazareth de l'incrédulité. Et la Bible nous dit que le Seigneur n'a pas pu faire de miracles à Nazareth si ce n'est guérir quelques malades. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que le Seigneur a rencontré l'incrédulité. Il s'est étonné. Autant il s'était émerveillé devant la foi du centenier, de cet officier romain, voyez-vous, à qui était venu vers lui pour lui dire, mon serviteur est malade, viens le guérir. Le Seigneur lui dit, je viendrai. Il dit, non, Seigneur, dis seulement un mot, et mon serviteur sera. Jésus le regarde, la Bible nous dit, il fut émerveillé. Il le regarde et se tourne vers ses disciples en disant, vers la foule, et dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé de foi aussi grande que celle de cet homme. Mes amis, la foi est le détonateur de la puissance de Dieu. Si vous voulez expérimenter la puissance de Dieu dans toute sa plénitude, quel que soit le problème, quel que soit le besoin, eh bien, n'allez pas à Séoul pour que nos amis de Cheongisho prient pour vous. C'est le même Seigneur. Hein? C'est le même Seigneur qu'ici à Épinay-sous-Sénart. Parce que quelquefois, on pense qu'en allant très loin, voyez-vous, en allant sur une montagne, on se rapprocherait plus de Dieu. À Kinshasa, il y a des montagnes tout autour, et il y en a une en particulier où les gens vont. Bon, tant mieux s'ils vont prier. Mais s'ils pensent qu'en montant sur cette montagne-là, ils se rapprocheraient du ciel, ils se trompent. Ce n'est pas un lieu géographique, si élevé qu'il soit, qui va nous rapprocher du ciel. C'est la foi. Oh, alléluia. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est. Gloire au Seigneur. Nous revenons à nos amis dans cette barque avec le Seigneur. La navigation, dans un premier temps, se passe à merveille. Pendant qu'il navigue, eh bien, le Seigneur se retire là, à l'arrière de la barque, à l'arrière du bateau, donc à la poupe, et il prend un coussin, et il se repose, et il dort. La navigation se passe très bien. N'oubliez pas que parmi les disciples qui étaient à bord de cette barque, 4 étaient des marins expérimentés. Pierre, André, Jacques et Jean. Voyez-vous, c'étaient des pêcheurs. C'est donc des gens qui connaissaient très bien la mer de Galilée. À plus d'une fois, ils avaient pêché depuis leur jeunesse. Ils étaient donc habitués à cette mer. Ils connaissaient les caprices de cette mer. Ils savaient comment faire face lorsqu'une tempête se levait sur cette mer. Voyez-vous? Donc c'était des gens expérimentés, des gens compétents, qui traînaient derrière eux une grande expérience. Les autres, comme Matthieu, Lui, c'était un homme de finances. Lui, ce qui l'intéressait, c'était l'argent. Voyez-vous? Mais quand il a rejoint le Seigneur, ben, il a rencontré des anciens pécheurs. Donc, il pouvait, quelque part aussi, être tranquille en disant, mais de toute façon, Pierre est là. André, Jacques et Jean, ce sont des gens qui ont toujours navigué en mer, qui ont toujours péché, donc ils connaissent très bien la mer. Les voilà qui naviguent. Et puis tout d'un coup, une bourrasque se lève. Une forte bourrasque. Un grand tourbillon devant mes amis se met à souffler. Voyez-vous? Et dans un premier temps, tous, mes amis, pour leur survie, se mettent à lutter contre ces éléments déchaînés de la nature. Plus ils luttaient, ils essayaient de maintenir la barque, mais plus le vent soufflait. Et la conséquence, c'est qu'avec le vent, avec cette bourrasque, eh bien, elle soulevait les eaux de la mer, elle secouait, elle agitait les eaux de la mer qui se transformaient en des houles de plus en plus dangereuses qui s'abattaient contre la barque. Et résultat, leur barque tanguait de plus en plus. Voyez-vous? Et le vent continuait à souffler de plus en plus fort. Pour une fois, ils sont dépassés. Leur expérience, leur compétence, leur passé de pêcheurs n'a pas pu leur venir en aide. Vous savez, mes amis, il y a toujours dans la vie des situations en face desquelles rien en nous ne pourra nous aider à les surmonter. Nous pourrions être des hommes expérimentés, des femmes compétentes, mes amis, mais il y aura des situations pour lesquelles nous serons comme désarmés. Nous ne pourrions rien faire. Eh oui, c'était leur cas, voyez-vous. Ils sont dépassés par l'ampleur de la bourrasque. Ils sont dépassés par l'intensité de cette tempête qui souffle de plus en plus fort. Au point où ils se sont dit, si nous continuons comme ça, à essayer de trouver des solutions par nous-mêmes, nous risquons de couler. Nous risquons de mourir. Et là, ils vont avoir un très bon réflexe, c'est-à-dire se tourner vers qui? Vers Jésus. Jésus, pendant tout ce temps, alors qu'ils se battent contre les éléments déchaînés de la nature, entre-temps le Seigneur, derrière la barque, à l'arrière de la barque, il dort paisiblement. Il se repose royalement. Il n'est pas du tout inquiété par quoi que ce soit. Mais ce sont ses disciples qui sont gagnés par l'inquiétude, par la panique, par la frayeur. Ils sont terrorisés. Ils se sont dit, si nous continuons comme ça, nous allons nous retrouver au fond de la mer, dans les abysses, et ça sera pour notre mort. Alors, allons chercher du secours. Auprès de qui? Heureusement, pour eux, Jésus était dans la barque. Voyez-vous? Heureusement pour eux. Si c'était dit, bon Seigneur, tu nous dis d'aller de l'autre côté de la rive, mais nous sommes expérimentés, laisse-nous partir, tu nous rejoindras après. Eh bien, ils auraient été devant une situation difficile et terrible, horrible. Ils sont allés crier à Jésus. Très bon réflexe, n'est-ce pas? Maître, maître, nous périssons. Tu ne te soucies même pas que nous sommes en train de périr, Seigneur. Il le réveille, voyez-vous. Et le Seigneur, lorsqu'il sort de son sommeil, il ne panique pas du tout. Il est calme. Il est serein. Il n'est pas agité. Voyez-vous? Il se réveille et va dire, oh, Pierre, c'est quoi ça? Oh, mais tu ne vois pas que nous sommes... Regarde, l'eau est en train de monter. Si nous continuons comme ça, c'est la mort assurée. Non, il se réveille avec un calme divin. Il se réveille alors même que la barque tangue. Alors que les houles s'abattent de plus en plus contre la barque, que de l'eau rentre de plus en plus dans la barque, lui n'est pas du tout inquiété. Voyez-vous, la première chose, Une des choses sur lesquelles j'aimerais m'attarder un tout petit peu. Est-ce que vous pensez que le Seigneur a été surpris par cette situation? Non. Est-ce que vous pensez que Dieu, à un moment, s'est dit, oh là là, qu'est-ce que je fais? Pourquoi ai-je amené mon fils dans cette barque? Pourquoi ai-je demandé à ceux qu'ils partent dans cette direction-là? Il eût fallu que je consulte la météo, c'est pas possible. Pensez-vous que le ciel s'est inquiété? Non. Dieu connaît toutes choses avant que toutes choses arrivent. Le Seigneur était conduit en tout et partout par le Saint-Esprit. Donc, le ciel savait très bien ce qui allait advenir plus tard. Et pourtant, le Seigneur a demandé à ses disciples de prendre cette direction-là. Gloire à Dieu. Le Seigneur se réveille calmement. Il se rend à la proue, donc à l'avant du bateau. L'eau est en train de rentrer. Les autres sont agités, paniqués. Ils regardent, et suivez-moi très bien, ils regardent la tempête. Ils regardent le vent, la mer. Voyez? Et que fait-il? Il s'adresse aux éléments déchaînés de la nature. Il s'adresse à la mer agitée. Il s'adresse à la tempête qui souffle de plus en plus. Et qu'est-ce qu'il dit? Silence! Tais-toi! Avec sa parole, sur le champ, la mer s'assagit. Sur le champ, la mer se calme. Sur le champ, le vent cesse de souffler. Voyez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Soyons un tout petit peu spectateurs de cette histoire. Nous sommes sur le bord, nous regardons en cette histoire, nous voyons des gens en péril qui risquent de couler. Et puis nous voyons et nous entendons Jésus qui se lève et qui parle. À qui parle-t-il? À qui s'adresse-t-il? Aux éléments agités. Mais nous le prendrions pour un fou. Comment quelqu'un peut parler à un problème? Comment quelqu'un peut-il parler à un danger qui est là? Et pourtant, c'est ce que le Seigneur a fait. Il s'adresse et au vent et à la mer. Tais-toi, sois calme. Comme je l'ai dit littéralement, sois muselé. Et muselé, c'est quoi? C'est empêcher de s'exprimer. Dans les régimes dictatoriaux, la presse est muselée. Elle est réduite, mes amis, au silence, n'est-ce pas? C'est le mot que le Seigneur a utilisé. Sois muselé. Sur le champ, la mer n'a pas pu s'exprimer. Le vent s'est arrêté. Il y a eu un calme. Ensuite, il se tourne vers ses disciples. Il leur dit, « Pourquoi avez-vous tellement peur ?» Mes amis, la peur. Voilà l'arme que le diable utilise pour nous paralyser. L'arme que le diable utilise pour nous empêcher d'expérimenter pleinement la puissance du Christ. C'est une arme redoutable qu'il a entre ses mains. Et partout où le diable agit, c'est là où les chrétiens se sont laissés gagner par la peur. Ils ont été effrayés, terrorisés par les problèmes. Et quand on a peur, on ne peut plus faire quoi que ce soit, oui ou non. On commence à subir. Voyez-vous. Voilà pourquoi la Bible nous met en garde contre la peur, quelle qu'elle soit. Nous avons peur parce que nous ignorons qui est celui qui est avec nous. Et le diable, celui qui rôde comme un lion rugissant, profitant de l'occasion, eh bien, nous harcèle, met de la pression sur nous et nous nous mettons à trembler. Rappelez-vous de David et Goliath. Avant que David arrive sur le champ de bataille, l'armée d'Israël, derrière Saül, combattait contre les Philistins qui, eux, étaient derrière leur héros, Goliath. c'était un homme surdimensionné, un homme qui mesurait presque 3 mètres, un véritable guerrier. Cet homme s'avançait, et à chaque fois qu'il s'avançait vers le peuple, l'armée d'Israël, la Bible nous dit l'armée reculait, les gens reculaient, même Saül, ils avaient tous peur. Il est nargué, il lançait un défi à Israël. Personne n'a osé l'affronter. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné du crédit aux paroles de Goliath. Parce qu'ils ont regardé à l'apparence. Et en regardant l'apparence de cet homme-là, ils ont vu un géant. Ils ont vu un vrai baobab, un vrai eucalyptus. Voyez-vous? Et face à ces géants, ils se sont vus tout. Mais puisque je suis tout petit, qu'est-ce que vous voulez que j'affronte un monstre comme celui-là? Résultat, ils ont commencé à paniquer. Ils étaient effrayés jusqu'à ce qu'un homme de foi arrive sur le terrain. Quand David arrive, il pose la question, qui est cet incirconcis qui ose lancer un défi à l'armée du Seigneur? Tout le monde lui dit, quoi? Mais c'est Goliath. T'as vu comment il est? Qui peut l'affronter? C'est un homme aguerri, c'est un guerrier redoutable, c'est le héros des Philistins. Eh bien, David a dit non. Moi, je vais affronter cet homme. Saül, même le roi l'a découragé. Ses frères qui étaient dans l'armée de Saül l'ont pris pour un petit un peu qui ose trop. Oui? Un fiston un peu difficile à maîtriser. Vous savez, il y en a toujours dans la famille comme ça. Elle dit, mais ce petit est toujours agité, c'est quoi ça? Prétentieux. Toi, tu crois que nous ne sommes pas mieux préparés que toi? Oui. Lui, il n'a pas regardé tout ça. Quand il est parti, il a dit au roi, écoute, moi, j'ai une expérience avec Dieu. À chaque fois que j'ai eu affaire à des bêtes sauvages, Dieu m'a délivré. Ce Dieu-là est avec moi. Je ne vois pas comment il me laisserait dans cette guerre, alors qu'il y a en face de nous un homme qui défie Israël. Le roi dit alors, dans ce cas, jeune homme, prends mon armure, prends mes armes, vas-y. Il prend ça, il met, ce n'était pas sa taille. Vous ne pouvez pas combattre avec la foi de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas. Il essaie, il dit non, 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 non. Enlevez-moi ça. Dieu n'a pas besoin de ça. L'essentiel, c'est d'être avec lui. C'est de m'engager dans cette bataille avec lui. Le jeune homme, il n'avait qu'une fronde. Il a ramassé quelques pierres qu'il a mises dans sa gibecière. Et il s'est avancé vers le Goliath. Et quand Goliath l'a vu, il a méprisé. Il dit, jeune homme, franchement, comme on dit chez nous, est-ce que ça va très bien dans ta tête là? Regarde un peu derrière toi, des gens plus forts, des gens qui ont une expérience et qui n'ont pas osé m'affronter. Toi, tu viens vers moi comme si j'étais un animal avec une fronde. Et David le regardera. Écoute-moi bien. Tu viens vers moi avec la lance, avec le javelot, avec l'épée, mais moi je viens vers toi au nom de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Il est motivé. Il ne s'est pas laissé paralyser par la peur. Il n'a pas regardé à l'obstacle, mais il a regardé au-dessus de l'obstacle. Et au-dessus de l'obstacle, c'est son Dieu. Mes amis, Jésus reste le même. Il est le maître des temps et des circonstances. Il ne peut pas nous conduire dans une tempête sans nous avoir donné l'autorité de la surmonter. Et quand Goliath a pris le risque de venir affronter David, il a pris simplement une pierre qu'il a placée dans sa fronde, il a jeté la pierre. Eh bien, quand il a fait ça, il était animé par la foi. La pierre de David, comme je l'ai souligné il n'y a pas très longtemps, s'est transformée en un missile à tête chercheuse. Dieu a simplement mis la main sur la pierre. Voilà. Il n'avait pas besoin de faire de cours de balistique pour savoir où viser. De toute façon, l'homme était bien protégé. Mais il y avait une petite faille que Dieu seul connaissait. Et le Seigneur a mis la main. La pierre est partie. La pierre a été animée d'une puissance incroyable. La pierre est passée là, a percuté la tête de Goliath et rentrée dans sa tête. Quelle force incroyable. Oh oui, mes amis, la bataille dans laquelle nous sommes engagés appartient à l'Éternel. Voyez. Apprenons à lui faire confiance. Ne disons pas, oui, mais je n'ai que quelques mois de conversion. Non, Jésus ne change pas. Vous pensez que nous qui avons plus de 30 ans de conversion, eh bien Jésus aurait aussi 30 ans avec nous? Non, il est toujours le même. Même si tu t'es converti hier, dès lors qu'il est avec toi, eh bien la victoire est possible. Donc, il les a conduits là, dans cette situation difficile, adverse, et leur a donné le pouvoir et l'autorité d'affronter l'épreuve. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu saisir cela. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Alors qu'ils sont allés chercher du secours vers lui. Dites-moi, la foi, ce n'est pas aller vers Jésus. En quoi ils ont manqué de foi? Posons-nous la question. Théologiquement, bibliquement, ces disciples avaient raison. Quand vous êtes dans un problème, vous allez chez qui? Quand vous avez des problèmes de dents, vous allez chez un dentiste. Vous avez des problèmes de ceci, vous allez chez un spécialiste. Et aussi, ils avaient leur spécialiste. Ils se sont tournés vers le Seigneur. Mais après avoir calmé la mer et la tempête, le Seigneur le regarde. Il leur dit, mais pourquoi avez-vous tellement peur? Pourquoi n'avez-vous pas de foi? Qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire? Eh bien, pour comprendre les deux questions du Seigneur, la peur et le manque de foi, revenons au début du message, du récit. Qu'est-ce que le Seigneur leur a dit? Passons sur l'autre. Le Seigneur ne leur a pas dit, voilà, passons sur l'autre rive et nous coulerons au milieu de l'océan. Il a été clair. En face d'une telle parole, eh bien, on n'a pas besoin d'un diplôme en théologie. Il a dit, passons sur l'autre rive. Donc, si lui a dit, ce qu'il attendait qu'il fasse, c'est de s'asseoir sur cette parole. C'est tout. Ce que Dieu attendait d'eux, c'est de voir, de regarder à la tempête, à la mer, de s'adresser à elle, à la mer, de s'adresser à la tempête, à la bourrasque, en disant, tempête, tempête, et toi mer, vous ne pouvez pas nous empêcher d'aller à l'autre rive. Notre maître qui est là derrière, il a dit, passons sur l'autre rive. Tempête, tu ne vas pas nous tuer. Tempête, tu ne vas pas nous empêcher d'arriver. Tempête, tu ne nous couleras pas. Dans le nom de Jésus-Christ, tempête, tais-toi. Mer, tais-toi. Voilà ce qu'ils auraient dû faire. Et puisqu'ils ne l'ont pas fait, eh bien, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il leur a dit, vous manquez quoi? La foi, c'est avoir une réaction pertinente, une réaction appropriée, avec une parole du Seigneur à un moment bien précis. C'est ça la foi. Voyez-vous, c'est ça la foi, mes amis. Donc, c'est que le Seigneur attendait d'eux, qu'eux-mêmes se tiennent là à la proue, à l'avant de la barque, qu'ils s'adressent aux éléments déchaînés de la nature, en s'appuyant, non pas sur leurs prétentions, non pas sur leur expérience, mais en s'appuyant sur cette parole que le Seigneur leur avait donnée. Passons sur l'autre rive. Il a dit, nous arriverons. Aucun obstacle ne nous empêchera. S'il y a un obstacle, nous le surmontons. S'il y a une épreuve, nous marchons dessus. Car il nous attend sur l'autre rive. Voilà, mes amis, comment ils auraient dû exprimer leur foi. Mes amis, avant de terminer, vous le savez tous, il y a un temps pour intercéder. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour nous adresser à Dieu, pour faire face à ceci ou à cela. Mais il y a aussi un temps où nous devons nous lever pour parler au problème. Avec foi, avec conviction, nous adresser à nos difficultés en disant, celui qui est en moi, celui qui est avec moi est plus fort, plus puissant que toi. Toi, problème, tu ne vas pas m'empêcher d'avancer. Au nom de Jésus, je t'ordonne de t'écarter de mon passage. Oh, alléluia. Je t'ordonne de t'écarter de mon passage. Voyez-vous, Jésus, quand on l'a réveillé, tu ne joues pas maintenant. Parce que tu es concerné aussi. Non, non, c'est sérieux ce que je dis. Cette parole te concerne aussi. Suis attentivement. Quand le Seigneur se réveille, il ne dit pas, allez, venez, on va intercéder. Père, s'il te plaît, Père, la tempête, tu es avec moi, garde tes enfants. A-t-il fait ça? Non. Oui, l'intercession a sa place. Il y a des moments où nous devons intercéder. Il y a des moments où nous devons crier à Dieu. Il y a des moments où nous devons utiliser cette parole puissante, où nous parlons aux événements. Nous parlons aux événements en disant, événement, tu ne vas pas m'empêcher d'avancer. C'est le Seigneur qui m'a placé sur cette voie. Ton obstacle, ôte-toi de là, au nom de Jésus-Christ. Et quand nous agissons de cette manière, des choses se passent. C'est comme ça qu'il les a repris. Voyez-vous, mes amis, avec Dieu, tout est possible. Jésus est tout-puissant. Jésus veut nous assister dans tout. Mais malheureusement, le diable arrive à nous paralyser par la peur. Dès que nous faisons face à une situation adverse, tout de suite nous commençons à tourner en rond. Oh, c'est pas possible. Pourquoi cela n'arrive qu'à moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y en a, mes amis, à chaque fois qu'il y a un problème, les voilà qui se mettent à faire une sorte d'introspection maladive. Oh, peut-être que le Seigneur ne m'avait pas pardonné. Vous savez, le diable est très malin. Pour vous paralyser, il va vous ramener des choses, à la mémoire évidemment, pour lesquelles vous étiez déjà repenti. Juste le matin, pour vous montrer un peu. Bon, c'est arrivé, c'était peut-être pour que le Seigneur, pour que j'utilise ça comme illustration. Dans ma chambre à l'hôtel, il y avait une petite éponge. Je commençais à essuyer mes chaussures pour que je sois beau, non? Si j'étais venu avec des chaussures comme des hors-bords, vous seriez dit, oh là là, déco, d'où vient-il? Ok. Et là, quelque chose m'est arrivé. Enfin, tout d'un coup, vous voyez comment le diable est. J'ai pensé, il y a plus de 30 ans, à l'époque jeune, afro et tout ça, à Kinshasa, avec, vous savez, tous ces petits cireurs de chaussures. J'en connaissais un particulier. Voilà. Un jour, je suis venu, j'ai mis papa, papa, et puis après, vieux, j'ai dit, ah, longois, petit. Il m'a suivi, le pauvre. Je suis parti. Je ne l'avais pas payé. Mais ça me revient. Qu'est-ce que ça a à voir avec la réunion d'aujourd'hui? Dites-moi, vous voyez comment, pendant tout ce temps, ce n'est pas la première fois que je brosse mes chaussures. C'est seulement aujourd'hui, je me suis souvenu que le petit là, je ne l'avais jamais payé. Mais je me suis converti à plus de 30 ans. Le jour où j'ai rencontré le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, même pour les péchés que j'ai oubliés. Et je n'ai pas souvenir, le jour où j'ai rencontré le Seigneur, où je pleurais devant lui, je n'ai pas souvenir de lui avoir demandé pardon pour le petit cireur. Maintenant, peut-être que vous êtes là, vous. Vous voyez? Ça, c'est l'ennemi. Il va réveiller des anciens souvenirs. Et puis vous dites, ah oui, c'est vrai. Ah non, c'est peut-être à cause de ça. Et là, l'ennemi est content. Vous savez pourquoi? Parce qu'il vous amène à mettre en doute la parole de Dieu. La Bible déclare qu'il est juste fidèle pour nous pardonner lorsque nous confessons nos péchés. Et de nous laver de toute iniquité. Voilà, je m'appuie là-dessus, c'est tout. Maintenant, ma mémoire, c'est comme un disque dur qui a enregistré pas mal de choses. Il peut se faire que quelque chose remonte, mes amis, à la conscience. Mais pas pour autant que je dois me culpabiliser, pas du tout. Et ça, c'est l'ennemi. Quand nous nous reposons sur le Seigneur, rien ne peut nous arrêter. Nous devons apprendre, et nous allons le faire bientôt, à parler aux problèmes. Tu es là ce matin, on a prié pour toi. Oui, comme je l'ai dit, l'intercession à sa place. L'Église peut prier pour toi, le pasteur peut prier pour toi. Mais ce matin, le Seigneur voudrait que certaines personnes se tiennent devant leurs problèmes. Et comme lui l'a fait face à la tempête et à la mer agitée, qu'il parle à ces événements en disant « Ôtez-vous de ma voix, car je suis sûr dans la volonté de Dieu. » Je terminerai par cette histoire pour vous montrer combien c'est important d'être porté par le Seigneur. Ça se passe chez nous en Afrique, dans la savane africaine. Un jour, comme sur la mer de Galilée, une bourrasque souffle, une tempête brusque souffle. Il y avait là une fourmilière. Et cette tempête emporte une fourmi loin de sa fourmilière. Et la pauvre petite bête se retrouve loin de sa fourmilière, au-delà d'une rivière qui était une rivière assez quand même large, infestée de crocodiles, des hippopotames, etc. Et la petite fourmi se retrouve de l'autre côté. Et puis elle s'est dit, mais que vais-je faire? Comment faire pour retrouver ma fourmilière? Je ne peux pas traverser cette rivière, les courants sont forts, c'est infesté de crocodiles, je peux me retrouver dans le ventre du crocodile. Comme ça, voyez-vous, ou être écrasé ou projeté quelque part et se noyer. Et que faire? Alors, c'était une situation très difficile, une sorte de quadrature du cercle. Et pendant qu'elle réfléchissait, elle tournait en rond, ne sachant quoi faire, un éléphant passe par là, un énorme éléphant. Et l'éléphant s'arrête. Et puis, remarque cette petite fourmi. Et l'éléphant comprend tout de suite son problème. Et s'approche d'elle en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoutez, je ne sais pas comment traverser cette rivière. J'ai été emporté par une tempête. Elle dit, ah, allez, petite, monte sur mon dos. La fourmi monte sur le dos de l'éléphant et va se loger, se mettre juste derrière l'oreille de l'éléphant, afin de tailler bavette ou de bavarder avec son bienfaiteur, le temps du voyage, n'est-ce pas? Et puis l'éléphant lui dit, ben, nous allons traverser la rivière. Il dit, mais comment? Elle dit, oui, mais à quelques encablures d'ici, il y a un pont, un vieux pont, nous allons traverser. Et voilà la petite fourmi sur le dos de cet énorme éléphant. Et l'éléphant arrive là où il y avait un pont, c'était un pont branlant, un peu instable et tout ça, et s'engage. Et le pont bouge. Et la petite fourmi est sur le dos de l'éléphant. Quand elles arrivent de l'autre côté de la rivière, la petite fourmi s'adresse à l'éléphant et dit, mais dis donc, c'est formidable. Tu as vu comment nous avons fait bouger le pont? Et l'éléphant de lui dire, oui. Et de l'autre côté de la rivière, c'était le territoire des lions. Voilà, c'était encore un danger. Mais dès que les lions voient cet énorme éléphant, que font-ils? Ils s'écartent, ils prennent tous la fuite. Et de nouveau, la petite fourmi se tourne vers l'oreille de l'éléphant et dit, c'est extraordinaire, même les lions nous fuient. Même les lions se dégagent de notre chemin. Et l'éléphant continue jusqu'il arrive près de la fourmilière et dit, bon voilà, tu es arrivé à destination. La petite fourmi saute du dos de l'éléphant et retrouve sa fourmilière. Vous voyez mes amis, c'est que Dieu attend, c'est ça la foi. C'est aller se reposer sur celui qui se révèle comme étant le fort d'Israël. Quand nous sommes avec lui, eh bien l'ennemi va fuir, non pas parce que c'est nous, non! À cause de celui sur qui nous sommes montés. Lui, le cheval blanc de l'Apocalypse. Quand nous sommes avec lui, eh bien, rien. Tout ce qu'il nous demande, c'est de rester nous accrocher à lui. Les lions vont rugir, mais ils ne peuvent rien. De là où nous sommes, Ne nous laissons pas impressionner par leur rugissement. Non, continuons à parler au Seigneur en disant « Seigneur, merci, car avec toi, en toi, je suis plus que vainqueur. Seigneur, rien ne peut m'arrêter tant que je suis avec toi. Tu sais pourquoi tu as permis cette tempête, puisque tu l'as permise, non pas pour qu'elle me détruise, tu l'as permise pour fortifier ma foi. Alors aide-moi, je vais m'adresser à cette tempête. Tempête au nom de Jésus, calme-toi. Que ce soit une tempête affective, que ce soit une tempête financière, que ce soit une tempête, mes amis, physique. La santé est en train de vous lâcher. Il y a moyen aujourd'hui de se tenir devant tous ces problèmes, tous ces événements et de s'adresser à eux au nom de Jésus-Christ. Alors je vous prie de vous lever. Oh, alléluia. Nous allons très rapidement, chacun se tenir devant son problème. Tu fais face à une tempête qui souffle dans ta propre vie depuis peu de temps ou même depuis plusieurs mois. Des tempêtes dans ton propre foyer, tempêtes dans ta propre famille, tempêtes au travail. La mer est agitée, ta vie est en train de tanguer. Tu te demandes, mais jusqu'à quand cela va-t-il s'arrêter? Laissez-moi te dire une chose, mon frère, ma soeur. Le diable ne va pas arrêter ça tant que cela va te maintenir dans la peur. C'est à toi de mettre fin à cette situation. Dans le nom de Jésus, proclame une parole de foi. Adresse-toi à cette tempête. Nomme-la. Dis, tempête dans le nom de Jésus-Christ. Éloigne-toi de ma vie. Éloigne-toi de mon foyer. Éloigne-toi de ma famille. Éloigne-toi de mes études. Éloigne-toi de mon ministère. Parlons tous au Seigneur. Alléluia. Oh, Babaraya Congo. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Seigneur de gloire. Merveilleux Sauveur. Seigneur, tu es là ce matin. Tu es là, oh Dieu, pour accomplir ta parole. Avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Nous voulons nous adresser à ces problèmes en ton nom. Nous voulons proclamer ta victoire. Dans le nom de Jésus-Christ, tempête, calme-toi. Dans le nom de Jésus, mer, calme-toi. Oh, alléluia. Roko bamba baba kongo shikara. Roko yokenga chikaba babara. Oh, alléluia. Oh, gloire. 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 Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de moi au nom de Jésus. Oh, alléluia. Jésus. 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 Oh, alléluia. Oh, gloire. Oh, merci. Fais-le avec foi. Fais-le avec confiance. Appuie-toi sur lui. Appuie-toi sur sa parole. Oh, gloire. Oh, Jésus. Oh, Seigneur. Oh, Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi. Nous allons garder un moment de silence et je souhaiterais te dire, toi mon frère et ma soeur, toi qui t'es tenu aujourd'hui devant ce problème, devant cette adversité, devant cette épreuve et qui a pris autorité sur cette tempête au nom de Jésus-Christ, je te demanderai de poursuivre cela par la foi. Voyez-vous, il y a des choses qui se passent d'emblée, sur le champ, la tempête se calme. Il y a d'autres avec le temps, Si ça dure, c'est que le Seigneur voudrait nous apprendre la persévérance. Si la tempête, tu as l'impression qu'elle ne se calme pas aujourd'hui, mais tu as prié par la foi. Mets-toi simplement à remercier le Seigneur. Voyez-vous, mets-toi seulement à dire, Seigneur, merci. Je sais que l'ennemi est en train de vouloir me paralyser par la peur. Mais je sais une chose, c'est que tu as entendu ma prière. Oh, alléluia. Je vais prier pour vous et je remettrai le micro. Seigneur, c'est devant toi que nous nous sommes tenus. Tu as promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Tu es venu dans nos vies, Seigneur, et depuis nous ne sommes plus seuls. Tu es avec nous. Et puisque tu es avec nous, rien ne peut nous résister. Ta parole déclare que la foi, notre victoire vis-à-vis du monde, c'est notre foi. Merci d'avoir permis à chacun d'entre nous de se tenir devant son problème, sa difficulté, son épreuve, et de s'adresser à cette épreuve par la foi. Merci maintenant d'exaucer toutes ces prières qui sont montées vers toi et de nous aider à marcher en étant actionnés par la foi, en étant mus par ta foi, en ayant comme carburant ta foi. Seigneur, merci. Merci pour tout. Que toute la gloire te revienne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous rasseoir. Merci.